Bonjour et bienvenue. Je suis le balayard, un spectateur des âmes perdues, un gardien des récits oubliés. Et aujourd'hui, je vais vous raconter la véritable histoire des profondeurs du collège de St. John's, où les murs sont imprégnés d'histoires anciennes. Une légende se murmure à chaque génération. Une légende qui attire les curieux comme des papillons vers une flamme. Chaque année, lorsque l'hiver recouvre le campus d'un manteau de glace et que la nuit s'étire comme les ombres des arbres dénudés, la porte apparaît, mystérieuse et inébranlable. Il y a longtemps, le collège appartenait à un homme dont le nom s'est effacé des mémoires. Un érudit obsédé par les mystères de la vie et de la mort. On dit qu'il avait conçu un espace secret, un sanctuaire où il pouvait rassembler ses pensées et ses réflexions. Mais il n'est jamais revenu. La porte qui mène à ses pièces oubliées est le vestige de son esprit tourmenté. Les élèves, animés par une curiosité insatiable, parle en chuchotant de leur rencontre avec l'homme. Ce dernier est décrit comme une silhouette élancée, dont le visage est caché dans l'ombre. Ses yeux, d'un brun profond, semblent percer l'âme de ceux qui osent le regarder. À chaque apparition de la porte, un groupe d'étudiants se lance dans l'aventure, espérant découvrir ce qui se cache derrière. Lors d'une froide nuit de décembre, un groupe de 5 amis, épris de bravade, se ferait un chemin dans les couloirs déserts du collège. Leur rire résonne, mais se taise rapidement lorsqu'ils aperçoivent la porte, ornée de gravures anciennes, qui se dresse devant eux. Leur cœur bat à l'unisson. Un mélange d'excitation et d'appréhension. Sans hésiter, ils ouvrent la porte. À l'intérieur, une pièce vaste, éclairée par des chandeliers vacillants, les accueille. Les murs sont couverts de livres poussiéreux et de portraits de visages oubliés. Et là, au centre, se tient l'homme. Il les regarde, un léger sourire aux lèvres, et les invite à s'asseoir autour d'une table en chêne massif. Vous êtes ici pour entendre une histoire, dit-il d'une voix profonde et résonante. Mais sachez que chaque récit a un prix à payer. Les amis échangent des regards inquiets, mais leur curiosité l'emporte. L'homme commence à raconter l'histoire d'un jeune élève du collège, un prodige qui avait tout pour réussir. Mais dans sa quête de perfection, il avait fait un pacte avec une entité maléfique, pensant ainsi acquérir des connaissances interdites. L'histoire prend un tournant sombre lorsque l'élève, consumé par son ambition, perd tout ce que lui était cher, ses amis, sa famille et finalement sa propre vie. À mesure que l'homme raconte son histoire, une atmosphère lourde s'installe dans la pièce. Les amis ressentent un frisson parcourir leur échine, comme si les murs eux-mêmes s'étaient rapprochés pour écouter. Les mots de l'homme sont comme une mélodie envoûtante, mais chaque note résonne avec une douleur palpable. Soudain, une ombre passe sur le visage de l'homme. Il se penche en avant,
ses yeux bruns étincelants d'un éclat presque surnaturel. Et maintenant, mes chers auditeurs, la question demeure. Que seriez-vous prêts à sacrifier pour connaître la vérité, hein? Un silence pesant s'installe, et à un, les amis commencent à ressentir l'impact de l'histoire. Ils réalisent que ce qu'ils ont entendu a modifié leur perception du monde. À la fin du récit, chacun d'eux se lève, le cœur lourd et l'esprit troublé. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent jamais revenir à la naïveté d'autrefois. L'homme les regarde avec une satisfaction silencieuse, comme s'il avait vu des milliers d'âmes passer par cette porte. « Et souvenez-vous, » dit-il, « les histoires ont le pouvoir de changer les vies. Mais elles peuvent aussi les détruire. Les amis sortent de la pièce et la porte se referme derrière eux d'un coup sec et disparaît. Dans les jours qui suivent, chacun d'eux porte en lui le poids de l'histoire entendue. Les rires se sont tus, les rêves se sont assombris. Ils sont désormais liés par une expérience qu'aucun d'eux ne peut partager avec le reste du monde. Et ils finissent donc tous par commettre un suicide collectif. Et moi, le Valeillard, je reste ici, attendant la prochaine nuit où la porte apparaîtra à nouveau, prêt à accueillir de nouvelles âmes curieuses, une nouvelle histoire à raconter, et peut-être un nouveau prix à payer. Ainsi, la légende du collège de St. John's continua, éternelle et insatiable, attirant les téméraires vers les profondeurs de l'inconnu. Alors, oserez-vous m'écouter? Ah, 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 ah.